There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. Quand j'ai compris que les politiques voulaient la guerre, quitte à mentir au peuple américain pour avoir leur guerre, je suis tombée des nues. J'y ai vu une violation de la Constitution, sinon une insulte et une trahison de mes états de service et de ceux de tous les militaires. Si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas comprendre que vos concitoyens laissent cela se poursuivre. C'est effarant. Effarant la façon dont ils s'y sont pris, à l'intérieur comme à l'extérieur du Pentagone. America. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think you'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come. On est tous militaires dans la famille, à commencer par mon père. Mes deux frères ont servi aussi, chez les Marines et dans la Navy. C'est comme une tradition pour nous de s'engager. Je suis entré dans l'armée en 1982. J'ai fait la moitié de ma carrière pendant la guerre froide. C'est dans ma carrière post-guerre froide que ma vision du rôle de l'armée dans une démocratie comme la nôtre a probablement commencé à se modifier un peu. Je m'attendais à ce que l'armée réduise en taille, qu'on en finisse avec les hostilités, pour ouvrir une nouvelle page. Et ce qu'on a vu, c'est que notre bureaucratie militaire s'est étendue, et nos budgets d'armement n'ont fait que croître depuis la fin de la guerre froide. Voilà pourquoi je suis contente d'être à la retraite. J'ai quitté le Pentagone en mars 2003, dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Irak. Quand on regarde la situation en Irak, tout ce qui s'est passé, on a les crimes d'Abu Ghraib, les vols secrets de la CIA. Sur le plan intérieur, nous avons les violations de la Constitution. Cette guerre est très impopulaire et Bush est très impopulaire lui aussi. Mais quand on pense à tout ça, on oublie quelque chose. On oublie comment cela a commencé. Et ça commence avant le 11 septembre, en réalité. Lorsque Cheney et Rumsfeld reviennent au pouvoir sous George W. Bush, ils manigancent sur deux fronts. Première chose, ils rentrent en fonction en janvier 2001. La toute première consigne donnée aux agences de renseignement, et notamment aux renseignements militaires, est de stopper toute surveillance de la famille royale saoudienne. C'est la toute première chose, dès janvier. À l'époque, la famille royale était secrètement surveillée. Le renseignement militaire s'inquiétait des mouvements de fonds de l'Arabie saoudite vers les cellules terroristes dans le monde et vers le programme nucléaire pakistanais. Stoppez tout. Arrêtez les écoutes. Voilà la première consigne. Puis vient la seconde consigne. Le FBI et la CIA doivent cesser de coopérer sur la question du terrorisme.
Souvenez-vous pourtant, ils ont des informations pointant l'imminence d'une attaque depuis le mois d'avril 2001. Ça va arriver, on le sait. Mais Cheney et Rumsfeld rejettent tout ce qui pointe vers les Saoudiens. La CIA continue à sonner l'alarme. Rumsfeld ne supporte plus ces rapports que la CIA lui envoie. Les réunions deviennent houleuses. Et c'est là qu'il décide de s'appuyer sur ses amis néo-conservateurs et de mettre en place un système de renseignement parallèle, un système sous contrôle, alternatif. Et puis le 11 septembre est arrivé. C'était un matin de beau ciel bleu. J'étais à mon bureau au Pentagone. On allait rentrer en réunion, CNN était branchée. Et on pouvait voir l'une des tours en train de brûler. Ils disaient qu'un avion était entré en collision avec la tour. Avec le deuxième avion, on a compris qu'il ne s'agissait plus d'un accident. On a vu ça, et peu de temps après, on a entendu un grand boom. On a regardé par les fenêtres intérieures du Pentagone. On était dans un angle par rapport à l'endroit où ce troisième avion s'était écrasé. Sur le toit, on voyait une énorme boule de feu comme si quelque chose était tombé du ciel. Ce jour-là, Cheney et Rumsfeld prennent la décision d'attaquer l'Irak. Les jours qui ont suivi, on est tous restés chez nous. Mais je peux vous dire que quand je suis revenue, il était déjà question de l'Irak. On ne savait pas ce qui s'était passé, mais il était déjà question de l'Irak. Et c'est à partir de là que j'ai... Ça a été le début de ma prise de conscience. En mai 2002, je suis transférée, un peu par hasard, du fait de nombreux départs inopinés, vers un département voisin du mien, le département chargé des affaires du Moyen-Orient. Il y avait des postes à pourvoir avec tous ces gens qui étaient partis. J'ai atterri au département Moyen-Orient, je crois, vers le 10 mai 2002. Et là, des choses étranges ont commencé à survenir. Don Rumsfeld et son équipe avaient déjà revu et corrigé une deuxième mouture d'un plan d'invasion de l'Irak. Un plan pour envahir l'Irak. Et là, je réfléchis. Le plan est là. Ils en sont déjà à en finaliser une seconde mouture. En mai 2002, aucune annonce, ni interne, ni publique, n'avait jamais été faite sur l'Irak. À l'été, de nouveaux venus débarquent dans notre département. Ce sont des politiques, pas des militaires. Ils haïssent l'Irak et adorent Israël. Mais bon, pourquoi pas? Israël est un allié. Et c'est là qu'on nous informe que ces gens vont intégrer une nouvelle unité baptisée Bureau des plans spéciaux. Curieusement, lorsqu'ils ont prononcé le nom Bureau des plans spéciaux, service relevant, comme nous, du département Moyen-Orient, ils nous ont demandé de rester discrets sur ce nom, Bureau des plans spéciaux. Les gens pourraient se poser des questions. Mieux vaut parler d'eux comme du service Irak élargi. Le Bureau des plans spéciaux est formellement constitué à la fin de l'été 2002. L'unité relève de Doug Feiss. Ce sont des hommes à lui. Ces nouveaux venus sont des politiques, des idéologues néoconservateurs. Ils ont une fonction bien précise. Ils sont là pour produire des synthèses sur trois thèmes. Terrorisme, armes de destruction massive, et bien sûr Saddam Hussein et l'Irak. Et là, une consigne bien curieuse nous est donnée. Ne pas amender, supprimer quoi que ce soit dans ces synthèses. Malheureusement, il m'est arrivé, comme à d'autres, de faire la bêtise d'examiner ces synthèses. Et c'est là que nous avons réalisé que quelque chose d'effet.